Entendre double. Écrire double. Dans ce rapport double, il y a forcément un rapport avec l'autre. Je pressentais sans doute déjà cette dualité avant d'écrire héliotrope, avant même de connaître le français, puisque la langue maternelle m'était toujours apparue comme une autre personne, comme si quelqu'un d'autre habitait en moi. Je m'étais toujours demandé pourquoi nous pouvions prononcer « je », alors que nous ne pouvions qu'être doubles, la langue et nous. Cette question m'a hantée au point de m'empêcher d'écrire à une certaine époque. Il me fallait éclaircir ce rapport au double, afin de pouvoir écrire à deux, pour comprendre qu'en fait, le pronom de la première personne du singulier n'existe qu'illusoirement pour faciliter la vie quotidienne, et qu'en vérité, le singulier contient la pluralité. Et encore, il me fallut du temps pour comprendre que cette dualité n'est pas la seule à traverser l'écriture, qui abrite plusieurs dualités. L'autre, par excellence, c'est d'abord la langue elle-même.